radio des Radis Libres, il est 8h. Bonjour Zioul, l'accordéoniste. Bonjour, ô grande voyante Madame Irma. Dites-moi, que voyez-vous dans votre boule de cristal? Je vois. Oui, vous voyez? Je vois. Oui, je vois. Kagunda City. Dans les années 1900, si j'en crois le druide Michel Bardet, il y avait dans le bourg 4 épiceries et 3 bars. Quelle animation dans le village à l'époque! Oui, il paraît aussi qu'il y avait sur la place Tourny des maisons et des granges avec un coiffeur et un forgeron. Au 11 rue des Barils, il y avait une boucherie. Ah, mais que sont les commerces devenus? Boulangerie, quand reviendras-tu? Mais il est temps de tourner la page. Prochaine édition, les inondations racontées par Janie Chevalier. Bonne journée les radis. Alors, fais pas peur, là. Une idée. Je suis un robot droïde EEI, interface d'échange intégrée, conçu pour asservir l'humanité. Pardon, pour servir l'humanité. Venez apprendre des poèmes! Venez résoudre des problèmes! C'est ici! Wenite, wenite, adme, hic, hic! Rangez-vous par ordre croissant, s'il vous plaît! Allez, allez! C'était disquipoulimé, yet disquipoula et calcima et... 0 + 0 égale... La tête à coco! Mais non, à dodo! Oh Dieu, de carmina discutis! Répétite post me, répétez après moi ces fabulous verbus. Carpe diem! Carpe diem! Dour alex et lex! Dour alex et lex! Un avec, fois, deux petits pois, égale! Trois haricots! Ad astra! Ad astra! Inuino vueltas! Inuino vueltas! Un poireau plus une carotte égale... Trois saucissons! Deux patates! C'est quoi les patates? C'est la base! Vous n'avez pas les prérequis! Révisez! Comme l'a dit la noble et vénérable, Edwin Delia, tempus fugit! Et mobile soupçonné! Mais Champollion réplica... Notis auton et tu quoque mi fili. Ce qui signifie qu'il n'y a rien de plus important au monde que... Que le théorème de Pythagore. Que le fait de rêver éveillé. Et donc, dans une marmite rectangulaire, une patate au carré plus une carotte au carré est égal... Au carré d'un chou-fleur. Au carré d'un navet. Et donc, si l'on considère la place de l'homme dans l'univers qui s'en va, qui s'en vient, sans que l'on puisse en saisir le sens, on peut rappeler que l'homme descend de la pierre, d'après les réflexions et l'œuvre du célèbre Pygmalion, qui s'écria « Eureka, oui ou un est !» quand il fabriqua sa première femme. C'est-à-dire, en anglais choix ancien, « She's alive !» Tu es aussi tordu que nombre pi. Je ne comprends pas un fidèle mot de ce que tu dis. Tu résonnes à angle aigu. Tu corromps la jeunesse avec ton faux savoir alambiqué avec tes cornes bidouillantes. Tes vers sont pires que les nombres imaginaires. À quoi ça sert, tes mathématoques? Ta langue est fourchue comme une équerre. Tu m'as toujours énervé violenté avec ta face de poulpiche chevelue et ta langue limaçante de barbouillouse. Tes mots piquent comme un compas. Espèce de force soufflure atomique, déconfite et pression purulente. Pythagore est à l'aise de lanceur. Thank you.
Mais non, il y avait de la fumée, paraît-il. Oh, je sais. C'était des dragons. Non, mieux. C'était des volcans. Non, encore mieux. C'était des dragons crachant du feu des volcans. Oh là là, mais n'importe quoi. C'était de la fumée d'usine, tout le monde le sait, t'as trop fumé de la moufette. Ah, des usines, comme celles qui fabriquent les boîtes de conserve qu'on mange tous les jours. Ben ouais. Tu crois qu'on a toujours mangé ça? Anne-Vinci? Les enfants, coucou. Et aujourd'hui, ça gère la fougère. On mangeait quoi avant? C'était comment avant? Avant, l'herbe était toujours plus verte dans le pré d'à côté. Avant, il y avait des ours blancs. Mais ils sont tous morts. À cause du réchauffement climatique? Mais non, s'ils étaient blancs, c'est qu'ils étaient vieux. C'est pour ça qu'ils sont morts. Oh, lune brouillée, pluie assurée aujourd'hui. Ma grand-mamie, elle était toujours ça, elle aussi. De dingue. Moi, ma grand-mère, elle était intérimaire ou chômeuse. Eh oui, la pluie n'apporte pas le plein temps, ni le mi-temps d'ailleurs. Mais avant, on faisait des nuits blanches. On était noirs sur les routes le 15 août par le bison futé. Attendez, c'est nous, le bison. C'est mon animal de rêve. Non. N'empêche que c'est bizarre ça. Il y a tout un tas de trucs, mais on ne sait pas quoi. Du riz-riz de moufette. J'ai lu une étiquette une fois. Il y avait même... la liste des ingrédients. C'est quoi les ingrédients? Ah, des formules bizarres. C'est quoi ça? Des lignes de code. Oh, comme il fait Sylvain pour avoir le chou-fleur de Beluga en ébullition. Je parie qu'il y a de la chouette en bavette mélangée dans de la purée de E157 sans téflon ni granité. Ouais, c'est ça. Moi, je fais un poissonnet et mes livres. Hein. Eh, pas si vite, Non. Qu'est-ce qu'il y a dehors? On veut savoir, nous, il y a quoi dehors? Je vois. Il y a des poires sur le trottoir. Il y a des pots de blaireau. Il y a des rideaux de sauciflard. Et puis il y a du pipi de pipistrelle. Hé, arrête ton lard là. On veut savoir. C'est vrai ça. C'est dangereux? Pas dangereux? On ne sait rien nous. Parce qu'on n'est jamais allé plus loin que le pont. Ouais. En même temps, il y a peut-être des raisons. Je commence à voir les prénoms au fond du sac, moi. C'est ça, c'est ça. Et moi, je commence à en avoir rien à la frange des cul-de-sac. La vérité, c'est que vous ne savez pas ce qu'il y a dehors. Bah ouais, vous savez rien. Vous savez pas ce qu'on mange. Vous savez pas d'où on vient. Vous savez rien, en fait. Ouais. Soit vous savez rien, ou soit il y a un lézard dans le tiroir. On faisait comment avant? On faisait comment? Non, mais attendez. Des ancêtres, on en a toujours eu jusqu'à preuve du contraire. Bah ouais. Mais c'est quoi qui nous prouve qu'on a toujours vécu ici, aux abords du colis? C'est vrai, ouais, ça. Et qu'est-ce qui nous prouve qu'on a toujours mangé ça? Ouais, bah ouais. Il faut que ça change, on a marre notre survie en boîte. Ouais. Ouais. Mais arrêtez. Ah non, spoiler. Là-bas. Oh, on a une piste. On va pister, puisqu'on est des chasseurs. Chasseurs. Bah ouais, chasseurs-cueilleurs. Chasseurs-cueilleurs. Sous le ciel étoilé, son chemin se dessine. Chasse ou cueillette, la forêt est sa ligne. L'art de préserver, sans jamais de rapine. Dans ma mémoire, ses souvenirs s'alignent. Les étoiles, la nuit comme seul repère. Chasse et cueillette, leur art millénaire. Le respect pour la vie et les liens qu'ils libèrent. Cet héritage en moi d'expériences singulières. Sous la voûte céleste, son destin s'illumine. Chasse, cueillette, un bon taux d'albumine, arc, lance-pierre, ou bien même baramine, je me tais à présent, il est vrai, j'hallucine. Chasse! Il y a longtemps que je cherchais ce mot. Chasse, ça me revient! Qui me suit? Moi!
Le reste de son âge ? Le reste de son âge ? Le reste de son âge. Et quand Néandertal conquit la région ? Et quand Néandertal conquit la région ? De mon petit village, fumait la cheminée. Le clos de ma pauvre maison. Le clos de ma pauvre maison. La douceur des aériennes. Vivre entre ces collines. Ah non. Vivre entre ces collines. Voilà. Vivre entre ces collines. Et quand Néandertal conquit la région. 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 L'ardoise fine. Plus mon colis gaulois que le tibre latin. Plus les bois de mon peu que le mont palatin. Et plus que l'air marin, la douceur vésérienne. La nature est restée simple comme les ruines de la Combelgie. Et vous, que les cascades du colis observent, rien ne vous retient d'entrer dans notre église
et d'y chanter occitan ce matin. Voilà la poésie aujourd'hui. Et pour la prose, il y a la cueillette des mots. La radio des radis libres, il est midi, droit comme DI. Flash info, on nous informe une menace de grippe, de cru, de décrue, qui l'eût cru, ainsi qu'une pénurie de conserves dans tout le département. Pénurie de conserves dans tout le département ? Tout à fait Jean-Pierre, les risques sont très élevés, les couleurs sont au rouge, sans passer par le orange, ni le jaune, ni le vert. Bref, les habitants du village risquent de se réveiller un bon matin et de se retrouver blancs, blancs de peur, c'est pas drôle. À suivre pour vous l'émission culinaire quotidienne qui va annoncer en direct la nouvelle. La mauvaise nouvelle. J'ai peur. Ah, même pas peur. Si, si, t'as peur. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour le repas de la communauté... Aujourd'hui, pour le repas de la communauté... Je propose... Il propose... Je propose... Ben, il propose... Je propose... Il propose... Ah oui. Au grand chef suprême de poulet, il propose... Ben, ça sera pas comme la dernière fois. Parce que pour les carottes, ben, c'est râpé. Parce qu'on a tous un côté faillot. Et crois-moi, mon Guillaume, ça va péter. Ouais, ça va péter, grave. Bon, chef, pour le plat principal ou le dessert, on y va. Alors, le dessert, je sais qu'il nous reste plein de boîtes d'ananas. Chef, oui. Chef, oui. Il reste plus qu'une seule boîte, chef. Une boîte de quoi? Une seule boîte d'ananas. Hein? Oh! Une boîte d'ananas. Je vais pas
Si tu réinventais la terre, provoquerais-tu d'autres alchimies? Absorberais-tu nos vides et nos sanglots? Répandrais-tu l'ivresse d'exister? D'avoir cherché un truc, voilà, qui... Ah, on était là, on habite à Conda, on est une compagnie de théâtre. Aussi par l'impulse de Nicolas Bateau, qui est grand créateur de liens. Et donc de dire, eh ben, on va créer un spectacle, mais on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'avait pas envie de reprendre un truc qui existait, on s'est dit, ben, on part de rien. On se connaît un petit peu, certains ont vu tout et on s'est rencontrés. Je sais pas si vous avez vu, il y avait des affiches toutes jaunes avec un grand casting à Conda il y a un an. Cette grande affiche jaune, en fait, voilà le résultat de ce casting géant sur la ville de Conda où les gens qui voulaient faire du théâtre sans être professionnels, pardon. Et ben voilà, on a fait quoi, 12, 13 séances à raison de 5 heures de travail par jour. Et on a tout imaginé. Ensemble, il n'y a personne qui a dit non, on a tout imaginé ensemble, c'est venu avec les envies et les retours de chacun. C'est vraiment une œuvre collective. Une œuvre collective, 100%. Vraiment 100%. Tu parles beaucoup tout seul, je trouve, pour un instant.